La lysismique est une fracture de fatigue touchant généralement la cinquième vertèbre lombaire et qui est retrouvée chez près de 20% des sportifs de haut niveau. Je suis maïphysiatriste, médecin rééducateur et aujourd'hui on parle de la lysismique chez le sportif. La lysismique est l'usure progressive d'une région de la vertèbre qu'on appelle l'isthme vertébral. À force de répéter des contraintes sur le rachis lombaire en hyperextension, comme par exemple lors des plongeons, en lutte ou en gymnastique, l'isthme vertébral s'amincit petit à petit jusqu'à se rompre. Même si la lysismique peut longtemps rester asymptomatique, elle peut toutefois favoriser, et particulièrement chez les sportifs en période de croissance et de puberté, le spondylolisthésis dont je vous parlerai plus longuement en description. En attendant, si vous êtes jeune, sportif et que vous présentez des douleurs lombaires avec des gestes favorisants, je vous conseille d'en parler à votre médecin qui évoquera sûrement ce diagnostic.